Aujourd'hui, nous allons travailler sur le son E. Donc, vous voyez, c'est un E avec un accent qui monte parce que E. Donc là, c'est en script, en majuscule et en cursive. Donc, où se passe la scène? Dans le jardin. Dans le jardin. Alors, le mot, ça va être l'allée. L'allée, c'est le chemin, là, comme ça. Allée. Donc, on s'imagine qu'on est dans le jardin de Hugo. Et là, voici la maman d'Hugo et le papa d'Hugo. Et qu'est-ce que font Hugo et Taoki? Ils ont mis des affaires, une salopette, des bottes, un chapeau, un tablier pour jardiner. Voilà, il y a une pelle et ils ont l'air de récupérer des salades. Alors, on va chercher tous les mots où on entend le son « et ». Alors, on va ici, il y a un panier. Panier. Voilà. Ici, il y a un vélo. Vélo. Là, c'est une échelle. Échelle. Ok. Ici, là, le petit animal, c'est un écureuil. Alors, attendez. Écureuil. Voilà. Alors, Hugo, il a un tablier. Tablier. Voilà. Alors, ici, ce sont des roses. Donc, quand le buisson de roses, ça s'appelle un rosier. Rosier. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, sur la table, il y a un saladier. Vous savez, quand on fait la cuisine, on utilise... C'est un grand bol. Saladier. La maman, elle apporte quoi? Elle apporte du café. Et cet arbre-là, il y a des pommes. Donc, ça s'appelle un pommier. Voilà. Plus... Oups là. Excusez-moi. Hop. Et là, bah, c'est l'allée. Voilà, je crois qu'on a tout trouvé. Alors, je le redis. Café, on le tape. Café, deux syllabes. On entend le « et » dans « fait », donc dans la deuxième syllabe. Ensuite, saladier. Saladier, trois syllabes. On entend le « et » dans « dié », dans la dernière. Ensuite, la pommier. Pommier, deux syllabes, on entend « et » dans le deuxième. Vélo, vélo, deux syllabes, on entend « et » dans le premier, dans « v ». Écureuil, écureuil, on entend « et » dans le premier. Ensuite, tablier, tablier, donc on entend « et » dans le troisième. Panier. Panier 2. On entend le « et » dans le deuxième. Et rosier. On entend le « rosier » dans le deuxième. Alors maintenant, on va regarder les images ici. Et on va chercher si on entend « et ». Là, c'est un lézard. Alors oui, on entend. On l'entoure. Lézard. Donc dans le premier. Ça, c'est un carré. Carré, oui, dans le deuxième. Ça, c'est un cheval. Non, on le barre. Ça, c'est une poupée. Poupée, oui, dans le deuxième. Un piano. Non. Éléphant, oui. On entend dans le premier, dans le deuxième. Oreille, non. Échelle, oui. Alors, maintenant, on va lire les lettres. E, R, E, O, I, E, Y, A, L, E, L, R, E, I, A, R, Y, L, E.
Donc, vous entraînez bien à lire les lettres. Vous vous souvenez que le Y, eh ben, il fait le même son que le I. Et on continuera demain à s'entraîner avec le son E.